Hey yo tout le monde, c'est UnderXL. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série modée. Donc après la recherche des creepypasta, on se retrouve sur un modpack trouvé sur Feed the Beast. Donc le modpack c'est Direwolf 20. Je vais pas le dire entièrement en anglais. Et il me semble que la musique est déjà un peu trop forte. Donc on va déjà diminuer le volume, comme ça on va s'y entendre et j'aime pas trop la musique Minecraft. Donc moi je l'enlève. Donc voilà. Donc Direwolf, c'est un petit modpack assez sympa. On me donne déjà 20 pommes pour moi commencer. J'ai un tout, il y a du Tinker Construct, il y a Open Block, il y a Botania, enfin il y a un peu de tout, c'est assez chouette. Et bah, premier épisode, on va commencer par se balader. J'aime bien ces arbres. Mais il faudra sûrement beaucoup plus de ressources pour ça. On va se balader, on va déjà trouver un petit endroit où s'installer. C'est déjà la moindre des choses de commencer par là. Mon PC a un peu de mal, je vais aussi diminuer un peu les qualités graphiques. Hop. Comme ça, mon PC aura un peu moins de mal parce que c'est surtout quand il y a de la génération. Que ça a un peu de mal. Donc j'avais déjà essayé ici, mon spawn est un peu plus dégueulasse que la dernière fois parce que la dernière fois j'avais spawné juste à côté d'un village. Franchement c'était super. Ouh. Ah, j'arrive plus à taper le mouton. Je veux le chapeau, je veux le chapeau. Waouh. Je l'ai eu. Eh oh, il me faut toujours un chapeau, moi. Ah oui, j'ai le swag, là. On peut pas dire avec l'ordinateur que j'ai sur la tête. J'ai trop le swag. Il y a un peu de mandrake, de witchery. Oh, la mandrake, ça pourrait être utile. Donc, franchement, je sais pas où je pourrais m'installer. Je vais essayer de trouver un petit spot assez agréable à... Enfin, assez agréable tout court. Et après, bah, on va sûrement aller miner. What? Ah, c'est sûrement que c'est miné dans le fond, parce que ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Quoique. Oh, je sais pas. Je vais pas aller voir. On va continuer à chercher un petit endroit bien sympa pour aller se mettre. J'aime bien particulièrement le biome savane, ça c'est chouette, le biome savane. Il ne pleut pas. Enfin, je sais pas, on va voir. Il faut surtout trouver un petit coin où se mettre. Ah, une ruche. Ça aussi, il faudrait que je regarde parce que ça m'intéresse. Je connais pas forcément à fond tous les modpacks parce que ça fait pas longtemps que je joue en modé. Mais ça commence déjà à bien me plaire. Ouh, ça c'est de l'or. Bien sûr, je n'ai pas de pelle. Et il y a un peu de minerai ici. Ah ouais, carrément, on trouve de l'or comme ça, en surface. Et même du fer. Bon, ben, je crois qu'on va déjà commencer. Ouais, il faut une pelle en fer quand même pour avoir ça. On va déjà commencer. Ouh! En fait, quand on regarde ici, ça pourrait être chouette de s'installer ici dans le coin. Bon, faudrait déjà enlever tout le bois qu'il y a, mais. Du jungle wood. Hop. Oh bah ouais, ça pourrait être quand même assez chouette de s'installer ici. Qu'est-ce que c'est ici? Grave du copper. Ouais. Si on dégage la plaine, qu'on terraforme un peu, ça pourrait être chouette. En plus, là-bas, il y a des big montagnes, même ici, il y en a une big. Ouais, ça pourrait être assez agréable de s'installer ici. Ouais, ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. On terraformera un peu. Genre ici, à proximité, comme ça, je suis sûr que je pourrais faire quelque chose avec de l'eau ici. On va déjà commencer. Oh. Un spawner à Wither Boss. Pourquoi pas?
En plus, il commence à faire nuit, on va aller vite s'enterrer, récupérer un peu de bois et s'enterrer. Voilà, comme ça on a au moins de quoi survivre un peu de bois, je vais aller chercher un peu de minerai, tout ça avec vous bien sûr. Donc, on va commencer à miner ici dans le coin. Il faut niveau redstone. Ouais, bon, ici on va pas commencer à miner là. On va essayer de trouver un petit coin. Une entrée de grotte assez agréable. Ah, bah je pensais qu'il commençait à faire nuit, mais non en fait. C'est juste, ça a été plus sombre d'un coup, je sais pas. J'entends des mobs, ça c'est sûr. On va essayer de trouver une entrée de mine, si pas je vais creuser. Je me demande c'est quel bloc ça? Ça me paraît bizarre. Ah, c'est vrai que c'est un bloc assez bizarre. Ouh, ben là-bas, justement, il y a un petit gisement de pétrole, est-ce que je vois? Bon, on va s'installer ici. Tac. Tac. Histoire d'avoir assez pour commencer. On va se faire une petite hache, on ne sait jamais. Et on va commencer à creuser. Et ouais, c'est ce qui me semble. Il y a des moments, c'est plus sombre, je sais pas. On va commencer à creuser, c'est pas grave. Logique, si je creuse ici. Voilà. On va commencer. Il me semble qu'il y a pas mal de mobs dans le coin quand même. Hop, je vais prendre 2-3 torches pour que vous voyez quand même quelque chose aussi. Parce que ce n'est pas agréable ben justement de regarder un truc où on ne voit rien. Hop. Je vais me faire un stuff en pierre aussi comme ça. On aura déjà de quoi commencer tranquillement. Ça c'est de la diorite. On va aller chercher aussi un peu de bois. Ah ça, tout à l'heure quand j'ai fait mes essais, c'était pas très cool ça. Je sais pas c'est quel liquide, mais c'est pas cool. Je peux vous le certifier, ça donne faim et poison. C'est franchement pas cool. Par contre ça c'est bizarre. Ça donne du boulot, mais c'est du jungle wood. Je sais pas c'est quoi comme arme, mais... Ouais. Hop. Tac. On va déjà se faire un petit coffre aussi. Oula. Oh non, j'ai pas assez pour un... Bah ouais, forcément. On va juste se faire un simple chest alors en attendant. Et on va vraiment aller s'enterrer parce que là, la nuit arrive assez rapidement. Hop, on va se faire des torches pour voir quelque chose. Enfin, pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop. Mais non. Oh là là, qu'est-ce que je fais encore? On va vite se dépêcher.
Hop. Tac. 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 Voilà. Bon, maintenant on va aller s'enterrer. Une bonne fois pour toutes. Parce qu'ici, les mobs vont commencer à arriver tout doucement, donc mieux vaut rester à l'extérieur. Enfin, à l'intérieur plutôt. À l'extérieur, c'est plutôt dangereux. En espérant qu'on va quand même trouver un peu de minerai. Alors, on a un peu d'aluminium, ça c'est utile, l'aluminium. Ah, du Certus Quartz, ça aussi. Comme ça, on pourra se faire un petit système applied en même temps. Du charbon aussi, ça se prend toujours. Hop. Voilà. Un peu de charbon, un peu de Certus Quartz en même temps. C'est utile. Bon, ça apparemment je peux pas encore récupérer l'amber. Et l'amber c'est... Il me semble que c'est des embryons, je sais pas. Encore un peu de Certus Quartz. Et du fer, ça, il nous en faudra un peu de fer. Hop, hop. Enfin, même un peu beaucoup. Si on veut faire tout ce que j'ai prévu, il m'en faudra pas mal de fer. Mais il y aura sûrement moyen de générer. Ça m'intéresse pas trop. Quoique pour déconstruction, ça pourrait être chouette. On va continuer à s'enfoncer. On est qu'à la couche 40. Ouais, non, ça, il faut encore un autre level supérieur. Le level redstone, ça me perturbe un peu quand même. Ouh. On a trouvé quelque chose. Il y a pas mal de minerais là. Bon, par contre, il faut trouver un endroit où descendre. Ça va être le plus ennuyant. Où sommes-nous? Pas encore. Mais il me semble qu'on peut déjà descendre. J'ai rien dit. Apparemment, je peux récupérer le copper. Ah ouais, je peux récupérer le copper. J'ai pas compris. Il me dit ni level du. Oui. Ah, ça pique ça. Il me dit level du fer, mais je peux récupérer avec une pioche. Ouais, on va rien. On va dire que c'est normal. Bonjour, monsieur le zombie. Bien sûr, il faut que ma pioche elle pète à ce moment-là. Ah, j'ai dû charger. C'est parfait. Bon, peut-être que ma hache va servir un petit peu maintenant en remontant. Ah non, c'est vrai, ça je pouvais pas récupérer. Par contre, je viens seulement de le voir. Ah bah, il y avait encore du Certus Quartz ici. J'avais pas fait attention. Bon. Maintenant, faire attention. What?
D'accord. Un chapeau en mode Lego. Hop. En attendant, on va faire des fours. Hop. C'est parce que ça, il nous en faut pas mal des fours pour l'instant. C'est vraiment le début du tout début. Mais je pense qu'il y a encore moyen de s'en sortir. Hop. Tac. Logiquement, vu que je suis tout seul, personne ne devrait venir me piquer mes affaires. Il me faudrait de nouveau du bois. Je pense que je vais faire une réserve. Hop. Bien sûr, manquait plus que ça. Je déteste ces chevaliers-là. Et voilà un creeper aussi. Manquait plus que. Un creeper qui est tombé au mauvais endroit. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, le creeper qui est tombé. Comme je l'avais dit, au mauvais endroit. Parce que ça, c'est très violent quand même comme truc. Voilà, un creeper en moins. Hop. On va se faire quelques pioches. Hop. On va en garder pour en faire. Parce que ça, il nous en faudra aussi en faire. D'ailleurs, j'en ai assez, c'est parfait. Waouh. Tac, une petite pioche en fer. De l'aluminium, ça on va le cuire. Voilà. On va garder un peu de fer là-dedans, l'andésite et la cobalt. Et on va retourner s'enterrer. J'ai oublié de mettre mon chronomètre, c'est seulement maintenant que je viens de le remarquer. C'est pas grave. Je vais couper un petit peu la vidéo. Je vais encore rechercher un petit peu pour avoir un petit peu de minerai et je vais regarder à combien de temps on en est. Sur ce, bah, à tout de suite. Et on se retrouve pour la fin de cet épisode. J'ai regardé, bah, on était déjà 17 minutes pour commencer. Faut avouer, c'est quand même relativement ennuyant de toujours regarder quelqu'un miner, chercher des endroits où s'installer, etc. Donc l'endroit où je vais m'installer, c'est décidé, c'est ici. À moins que cet endroit vous plaise pas trop, mais moi il me plaît bien. Et donc, bah, vous avez le choix bah, de l'endroit. Si ça vous plaît pas, bah, je vais continuer à chercher un autre endroit. S'il vous plaît, bah, c'est simple, je continue à m'installer ici. Ben, ça c'est les enfin, c'est tout ce que j'ai retrouvé. D'ailleurs, j'ai gardé ça. J'ai trouvé un petit buisson d'XP, c'est chouette. Donc, le buisson d'XP, on va le mettre ici. Et à côté, on va mettre les buissons de. Non. Les buissons de copper, on peut les mettre où? Bon, je chercherai où on peut les mettre. Il me semble que ce sera sûrement sur de la roche ou autre chose. J'ai trouvé un peu de tout, j'ai trouvé de l'or, du silver, du lead, bah beaucoup d'iron, du copper, du tin, de la yellowite, de l'uranium, j'ai trouvé du ferrous, de la redstone, enfin j'ai trouvé un peu de tout, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je sais que le niveau redstone, bah, c'est à miner avec une pioche. En fer et le niveau fer c'est à miner avec une pioche enfin en dessous de fer donc une pioche en cobble parce que je connais pas encore tous les autres matériaux et sur ce bah, laissez un commentaire ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu et on se retrouve pour un prochain épisode sur Tire Wolf.